Regardez-moi ça. Oh, toutes ces petites bulles enlacées les unes dans les autres. Oh, puis c'est si léger. Oh. Puis c'est si beau. On a presque envie d'y manger. Oh, de la mousse au chocolat blanc. Oh, ça serait trop beau. Faire une émission sur la mousse au chocolat. Non, je mangerai tout. Non, il faut pas que je dise des bêtises. Revenons à ça. Oh, et puis cette odeur de savon. Je crois que nous allons nous faire mousser aujourd'hui. Nous allons parler de la machine à mousse, de la mousse. Oh. Vous êtes dit, vous êtes déjà allé en soirée mousse? Non? Oh, il faut remédier à ça, hein. Oh, les soirées mousse. Allez, plus une minute à perdre. Découvrons vite les secrets de Mordicus sur la mousse. C'est parti, mon kiki. Aujourd'hui, on va parler de bubules. Regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Des petites bubules. Oh, oh, aux formes bien sphériques. Oh, on peut même en attraper, regardez. Oh, sans que ça éclate, change de forme d'état. Pourtant, c'est bizarre, c'est quoi? C'est une fine couche d'eau savonneuse emprisonnant un petit peu d'air. Oh, c'est la mousse. Ah, la mousse, la mousse, la mousse. Pierre qui mousse, amasse la foule. Ah, ben je comprends mieux votre état, professeur Williams. Mais je vois que vous n'êtes pas venu seul. Non, moi c'est Dan Skeller, entre Fox Mulder et Dan... Ok. Alors, ce qui nous intéresse, c'est mes petites bubules. Regardez, c'est l'équilibre entre la pression de l'air et la tension superficielle de l'eau savonneuse qui permet d'obtenir cette belle forme ronde. ça vous fait un carambard, votre dessin? Et une mousse? Et une mousse? Ouais. Le savon agit comme stabilisant, évitant ainsi les bulles d'air de s'éclater. Mais quand on a beaucoup de bulles, on appelle ça de la mousse. Vous allez me dire, comment on fait de la mousse? Comment on fait de la mousse? Bon, alors, ce qu'il vous faut, c'est quoi? Vous allez prendre de l'eau. Voilà. De l'eau. Un produit savonneux. Tac. Vous remuez. Et il vous faut aussi... une chaussette. Et le tour est joué. Ça se sniffe. Alors, comment nous allons faire? Il suffit de poser votre chaussette à l'intérieur, de bien remuer dans le liquide. Oh, voilà, voilà, et voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à souffler dedans. Et la mousse sortira. Regardez, Dan, est-ce que tu peux souffler dans ma chaussette? Moi, souffler là-dedans? Oui. Avec ma bouche? Bah, de préférence, oui. Alors, on va essayer. Et oui, retrousser au maximum. Et vous faites un bon souffle! Oh! La mousse! Encore! Oh, magnifique! Vous voyez, ça, c'est une machine à mousse, mais dirons-nous individuelle! Est-ce qu'ils sont tous barrés? Oh, ben on passe à la suite alors. Expérience numéro 1. Nous allons tester l'expérience suivante. Regardez-moi ceci. Oh, oh, un chapeau plein de mousse. Oui. Hop, on enlève ça. Et mettez-moi ce chapeau, Dan. Un chapeau plein de mousse. Oh, oh, oh. Et mon souffleur station temporelle, il se trouve ici. Alors, on va le positionner derrière vous. Voilà, 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 et voilà. Et il n'y a plus qu'à souffler. C'est parti, mon kiki. C'est pas beau, ça. Bien sûr, ce n'est pas une machine professionnelle. Hein. C'est une machine made in Mordicus. Mais voyons voir maintenant les machines tout à fait professionnelles. Alors, nous allons parler de machines à mousse professionnelles. Tous ont un point commun. Ceci, cette fameuse chaussette verdâtre qui, une fois gonflée, permet d'évacuer des milliers de bulles de savon. Ça fait mini-mousse, maxi-mousse. Oui. Or, bien sûr, tout dépend, bien sûr, du modèle utilisé.
Et oui, sur le marché, nous trouvons différents modèles. Premier modèle, ceux qui se branchent directement sur une arrivée d'eau. Le mélangeur automatique permet de mélanger le liquide concentré et l'eau directement. C'est intéressant, mais ça reste un petit modèle. Ensuite, vous avez des machines à mousse qui vont utiliser des pompes, comme celle-ci. Ça, vous avez une pompe qui permet de relier un réservoir rempli d'eau et de liquide concentré via le tuyau et via donc la machine. C'était très intéressant. Et dans les machines comme ceci, il y a deux modèles. Premier modèle, les machines à... comme celle-ci, qu'on appelle des machines baveuses. Eh bien oui, ça vient se gonfler et la mousse s'évacue sur le côté. Ensuite, vous avez les machines à jet de mousse, comme celle-ci. Oh, oh, oh. Ah, ça, ça envoie du nain dans l'espace. Ça. Ah, ça gère la fougère, eh oui. Grâce à cette structure métallique, la chaussette verte est à l'intérieur. Et permet de faire quoi? Permet de faire un jet de mousse qui peut aller de 6 à 12 mètres. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on a vu toutes ces machines-là, c'est de voir directement sur le terrain. Yes. Allez, c'est parti, mon kiki. Nous voici ici donc avec une machine à mousse, avec une pompe. Ici vous avez le réservoir d'eau. 3% de concentré mousse pour 97% d'eau, il va de soi. Un tuyau qui est relié donc à ma pompe et l'autre tuyau qui pour l'instant revient ici sera branché dans quelques minutes à ma machine qui se trouve donc ici. Ici elle est en deux parties. Vous avez d'abord la tête mousse avec la chaussette verte et la base ventilation. Il existe, oui, différentes sortes de ventilateurs. Des 35 cm, des 50 cm comme celui-ci, des 80 cm, voire même des 1 mètre. Mais 50 cm, c'est déjà bien puissant. Regardez. La tête est maintenant en place. Eh ben, passons à l'expérience. C'est parti, mon kiki. Voyons voir maintenant les machines à jet de mousse sur base 500. J'ai bien dit jet de mousse. Regardez. Oh, c'est parti, mon kiki. Dernière expérience, cette fois-ci avec les douches de mousse. Nous allons mettre une machine donc en hauteur et se positionner donc juste en dessous. Mais avant l'expérience, regardez cette petite vidéo d'une douche de mousse avec une base 500. Elle vous a plu cette petite vidéo? Oui, oui, vraiment. Et ben maintenant, on va tenter l'expérience avec cette petite machine là-haut. Oh, oh. Et ben, voyons voir ce que ça donne. C'est parti, mon kiki. La photo. La photo. Oui. La photo. Attention. Je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui de nos machines à mousse. Et puis, et vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et nous suivre sur Facebook surtout. Alors, vous pouvez aussi j'aimer nos vidéos, hein, c'est possible aussi. Oh, j'adore ça. Ah, ces tuyaux, c'est gênant ces tuyaux. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de ces tuyaux? J'ai une petite idée. Oh, je vois l'étoile noire à côté de moi. Effectivement, oui, je la vois. Oui, je vous suis. Tentez d'approcher. Mais, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est qui? C'est Dark Williams qui est passé devant moi. Je vais le suivre. Ah. Attention. Attention, Marty, que c'est derrière vous. Attention. Ah.
vous avoir. Je suis pas votre père. Oh, je me suis touché, je suis touché. Oh, oh, oh. Bonjour, bienvenue dans mon bain, ça me fait plaisir.